Il est temps de se réveiller. Il est temps de proclamer. Parce qu'aujourd'hui, on voit que ces prédicateurs, ces enseignants, ces églises universelles, ils tentent de séduire nos familles, nos amis, à travers un enseignement qui n'est pas le véritable enseignement que les apôtres ont prêché. On vous donne des preuves, et les preuves, ils sont là devant vous, à travers des versets et à travers de la véritable doctrine que Dieu nous a donnée de le proclamer. Moi, je sais que Dieu m'a donné cela pour enfin de proclamer ce véritable évangile. Frères et sœurs et amis, si vous voulez sauver vos familles, nous avons reçu des talents, nous avons reçu les œuvres de Dieu en nous et travaillé pour sauver nos familles et ceux qui nous entourent, nos amis. Car il est temps de travailler dans le champ de Dieu. Car aujourd'hui, on voit que les églises universelles, ils tentent s'agrandir, ils tentent se lier les uns avec les autres pour faire une église universelle pour attaquer le petit troupeau que nous sommes. Il est encore des preuves au sujet du véritable baptême. Parce que ce baptême par immersion, il est anti-biblique selon la loi de Dieu. Je vous le dis, de la part du Dieu vivant, nous prêchons le Christ tout entier. Nous prêchons le Dieu véritable, le Dieu unique, celui qui est au-dessus de toutes choses et qui a envoyé son bien-aimé Fils dans le monde pour mourir pour chacun de nous en particulier. Frères et sœurs et amis, il est temps de s'unir et de travailler parce que le temps viendra qu'on ne pourra plus le faire. Je vous le dis, il est temps de se réveiller. Tant que nous sommes sur Internet, il faut le faire. Car le jour viendra, on ne pourra plus le faire. Parce que vous aussi, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des disciples, vous êtes des élus de Dieu, et vous devez travailler avec nous dans le champ de Dieu, pour enfin que nous puissions devenir le véritable temple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.